Bonjour à tous et à toutes. Salut les filles, je vous envoie la bise. Bon, alors, quand j'ai commencé à bricoler il y a environ 3 ans, j'avais fait cette console-là. Vraiment rien d'exceptionnel. C'était mes tout débuts, donc c'était pas très très joli. Voilà. Les coins. On dirait du métal, mais en réalité, c'est du PVC de gouttière que j'ai aplati et peint en noir. Enfin, voilà, bon, j'avais déjà quelques idées, mais en bas, j'avais dit à ma femme, est-ce que tu veux les tiroirs et les poignées? Non, je veux pas de poignées. Bon, bref. Bon, et eh bien, je vais modifier tout ça. Ah, allons, bon, le téléphone. Bon, je vous laisse, on se voit plus tard, ok? Alors, j'ai poncé pas mal, hein. Ça a fait pas mal de poussière, mais bon. Voilà, donc là, j'ai remis une étagère ici. J'ai fait une bande devant, une bande de bois, pour faire comme si c'était plus épais, on va dire, et puis c'est quand même plus joli. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, il me reste à combler les trous, encore un peu de ponçage là où il y avait les vis, comme ici, là, j'ai bouché les trous, j'ai encore un peu de ponçage à faire, voilà, et j'ai fait la porte. Alors, la porte n'est pas tout à fait finie, hein. Elle est à poncer, elle aussi, la voilà, alors, un encadrement fer, comme j'avais dit, et puis du bois, des lattes de bois, de palette, en plein milieu, pour faire la porte, quoi. Voilà. Ma femme veut que ce meuble soit assez clair, donc je vais juste peut-être vernir, et puis c'est tout, quoi. Et je vais pas passer de je vais pas, il sera pas coloré, quoi, on va dire, hein. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais également poncer le fer pour qu'il soit blanc, un peu comme ici là, un peu au milieu là, si vous le voyez. Voilà, c'est-à-dire fer brut, quoi, hein, pas du tout de couleur noire ou quoi que ce soit, un peu comme ici aussi, voilà. Voilà, ben écoutez, je continue. J'ai fait des petits trous là aussi pour mettre des boulons de décoration qui serviront à rien, mais juste pour la décoration. Voilà, bon, je continue. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà, c'est teinté. Finalement, ma femme le voulait assez clair, elle l'aura un peu plus foncé, parce que j'ai voulu faire une chose, et ça n'a pas réussi. Alors, je vous fais voir ce que c'est. Ici, voilà. Ça, j'ai mis à tremper de la paille de fer dans du vinaigre. Et avec différentes concentrations de vinaigre. Là, on voit que c'est plus clair ici que là. Voilà. Mais j'ai pas trouvé ça joli. Non, ça me plaisait pas. Alors finalement, j'ai recouvert d'une espèce de lasure chêne clair. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est pas vilain, loin de là. Par contre, le fer, on le voulait tout ce qu'il y a de plus naturel, pour pas faire comme tout le monde, disons, qui le peint en noir ou à autre chose, avec des produits quelconques. Moi, je l'ai poncé. J'ai poncé parce qu'il était noir, au contraire, j'ai poncé. Et puis, je vais le vernir. Voilà, tout simplement. Alors, ben maintenant, vous le verrez quand tout sera fini, en place et tout. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, c'est fini.
Il fait un peu sombre aujourd'hui, ben c'est sombre. voilà, mais sinon, c'est fini. Il y a la porte coulissante qui est juste devant, là. Voilà. Bon, je vous cache pas que il faudra qu'à la longue, je change les poulies, là. Je vais mettre des poulies normales, des poulies en fer. Parce que bon, oui, ça coulisse, mais mal, mal. Honnêtement, ça coulisse pas très très bien. Voilà. Alors à la longue, ben, je changerai ces poulies. Peut-être, je sais pas quand, mais faudra que je les change. Voilà. Sinon, ben, c'est terminé. Ça m'a donné un peu de mal, mais bon, ça va encore. Allez, bonne journée à tous et puis n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, voilà, et tout et tout. Et de commenter pour savoir ce que vous en pensez. Merci, allez, ciao, ciao les gars, bye. Et les filles, bye, bye. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter, mettre un j'aime, partager, tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis à bientôt les gars. Allez, ciao, ciao, hein.